pour ça que maintenant il s'est... Regardez. Elle démarre. Non, mais ils ont tout piqué, hein. Elle est morte. Elle est vraiment. Ah! Il y a quelque chose qui me pousse là. D'accord. C'est vous le propriétaire. Parfait. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. On a votre réponse. N'hésitez pas à prendre de l'énergie. Ah, merci. Ouh là 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 là, belle énergie. Super. Merci beaucoup, messieurs, dames. Ok, c'est parfait. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît. Oh. Allez, vous le faites. C'est vous qui venez de parler? Bon, je ferme. C'est ça? Christelle, t'as dit enchanté. Bah, enchanté aussi, merci. Ouais. Bon, je suis rentré, ça va être costaud. Je suis rentré, ouf. T'as fait un tour déjà? Je suis allé tout dans. C'est trop serré là-dedans. Là, ça a tout tourné d'abord. Ça a tout tourné d'abord. Ah ouais? Ça va? Oh là là. Le pire du jour. Ça tient bien. J'aurais dû mettre ma lampe. Punaise. Attends, je vais mettre ma... Tiens-moi ma... Tu peux me tenir ma lampe, s'il te plaît? J'ai peur. J'ai peur, là. Oui. Je vais mettre ma lampe frontale. Ah, j'ai une personne qui regarde. Hein? J'ai une personne du groupe qui regarde aussi. T'es qui? C'est toi, c'est moi. Bonsoir. Oui, ouais. Tu sors vraiment du boulot, en plus. Je sens la plonge. Ça sent les frites. Ça donne les fèves, mon dieu. Attends. On va là-bas. Oh putain, ça a poussé. Mais pourtant, ça a pas énorme plus. Déjà, bon, c'est lourd. Bah, voilà, on est dans l'usine qu'on a déjà fait une fois. On l'avait fait deux jours. Et ça a été l'épisode... Demi-finale. Non. Oui, mais on l'avait fait sur Periscope. Ouais, mais là on fait sur Facebook. Et là on le fait sur Facebook. Pour fêter la Toussaint. Et sur le groupe CDP aussi. Pour tous ceux et celles qui veulent rester sur les CDP. Voilà. Comme ça au moins vous avez deux versions différentes. Bonsoir Christine. J'espère que tu vas bien. Briefer vite ce qui s'est passé sur les lieux, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous déjà.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce... Alors, déjà, vous êtes dans une usine, dans une ancienne usine à engrais. Elle a été fermée dans les années. Tu filmes pas pour qu'on te voie? Non, mais tu peux me filmer, y a pas de soucis. Mais je t'éclaire pas trop, tu veux te faire la tronche? Bah, écoute, c'est pas grave, je serai aveugle. Faut j'aille, parce que moi je suis pas obligé. Non, mais c'était pas comme ça avant. Hein. C'est bien. Si, ça a tout changé. Ouais, mais ils en ont remis. Hein. Tu vois le tout de huc là. On va continuer là. Et donc, c'est une ancienne usine à soude. Donc, elle a fermé par rapport à. Comme vous devez savoir, vous êtes dans un. Vous êtes dans un. On appelle ça. Vous êtes dans une. Dans un endroit où la nature elle doit être préservée. Donc, l'environnement est très important. D'accord? Et donc, suite à ça, il y a eu des. Il y a eu des fuites dans les sols. Comme quoi, il y aurait eu de la pollution dans les eaux. Et donc, suite à ça, il y a eu un procès. Et donc, bien sûr, l'entreprise a perdu. Et donc, suite à ça, ils ont fermé l'usine. Mais quand vous allez voir l'usine en elle-même, elle est très très grande. Parce qu'on l'avait fait de jour. Et on avait eu un petit résultat à un endroit. Et on l'avait fait de nuit, après, sur le périscope. Mais ça, après, on l'avait pas mis parce que... j'avais pas trouvé encore le logiciel qui me permettait de le mettre sur YouTube, même sur Facebook. Mais maintenant que j'ai trouvé, maintenant, je vais peut-être la remettre demain, je verrai. Donc voilà. Donc bonsoir à tous, bonsoir Noam, bonsoir Christine, bonsoir à tous ceux et celles qui sont là. Merci à tous de nous suivre, merci à tous de nous soutenir, merci de commenter, de vos j'aime, de vos partages, merci à vous. Parce qu'on approche dès un an. Hein, dites-vous bien que dans moins de 3 semaines, ça va faire un an que je fais ça. Et j'étais loin d'imaginer du stade que j'allais avoir. Et d'avoir autant de personnes sur mon groupe 4000. Et là, 4100 en plus ce soir. Voilà quoi. Donc merci à tous. Ouais. Elle est très bien ta lampe, j'adore. Il faudra que tu me donnes ta marque. La marque de ta lampe. J'ai amené mes détecteurs de mouvement aussi. Ouais. Alors ça aussi, ça va être bon. Mais on va les placer à des endroits précis. Ouais, d'accord. Là-bas et à l'entrée là-bas. Les deux sont au milieu. Non, on va... Souviens-toi. Là-bas, c'est là-bas. Un peu là-bas, tu sais, vers la sortie. C'est là-bas qu'il y avait quelque chose. On va tomber là et là-bas. On va continuer à faire le petit tour. Et puis, on retournera voir un peu de l'autre côté. C'est là aussi qu'on a eu peut-être une petite réponse. Mais bon, c'était assez timide. Hein. Je tiens à vous l'avouer. On vient de nuit, c'est chouf. Ah, c'est... On dirait des... Voilà. C'est incroyable. Je vais allumer ma lampe aussi, comme ça vous voyez un peu aussi. Voilà, donc bonsoir, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, on partage surtout. Et donc n'hésitez pas de revoir aussi juste après l'épisode de l'usine. Je crois que c'est l'épisode 9. Non, 13. 13 Non, le 13 c'est le podcast. Non, non. Le premier c'est le 8. Non, non, le 9 c'est l'usine, je suis sûr que c'est l'usine. Parce que le 13 c'est. Le 8 c'est l'usine de journée. C'est pas le 9, t'es sûr? Je sais, c'est, non, c'est le 8. Je sais plus. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, il était dans la saison 1. Et donc. Il y a un problème de prévu ou c'est une ressentie? Les deux. C'est peut-être le 8, t'as peut-être raison. Bon, il est rejoindre. Enfin bon, on verra bien. Chier, donc, bah écoute, comment ça se fait que je suis là? Parce que Dany m'a parlé déjà de son enquête de ce soir, de la chapelle. Et tu m'as pas dit. Et puis comment ça s'est passé à la chapelle? Ça a été? Pas été du tout. Il n'y a pas eu de réponse. Ouais. J'ai pas voulu nous venir. Okay. Ça a poussé là. Ouais. C'est pas mal. C'est quoi ça là? C'était pas bon du tout. Merci à tous. Putain, je vois pas vos commentaires. Ça fait comme l'autre fois. C'est pénible. On a gueulé le téléphone maintenant. Non, parce que l'autre fois aussi, ça me l'a fait pareil. Je suis sûr que j'ai des commentaires que je vois pas. T'es combien, vous êtes combien vous? On est 14. Moi je suis 4. Et oh, partagez sur le milieu, s'il vous plaît. Non, on partagera après. On partagera après, ne vous inquiétez pas. Il y a encore du monde de mon côté. On est en. Au pire, vous êtes tous sur le truc direct, c'est pareil. Ah, ça y est. Ça y est, Sylvie, je te vois. Tu
Salut, bonsoir, bonsoir Gênes. Merci à tous de nous suivre, merci. Donc, en fait aussi ce soir, les 4100, hein. Les 4100 ce soir, d'abonnés sur la SCDP. Et donc, nous sommes dans l'usine qu'on avait fait déjà, dans la saison 1, et qu'on devait faire de nuit, mais qu'on avait fait, mais sur périscope, et parce que on n'avait pas... on avait envie de faire plaisir à tous ceux et celles qui étaient abonnés avec nous sur Periscope. Voilà, c'est comme ça que la plupart du temps on vous a connu. Et c'est là qu'on a été. Et qu'on a eu un peu de résultats. Et puis on a même eu des insultes. Donc bonsoir. Bonsoir à tous. C'est Alexandre et Dany, donc désolé de vous déranger. À nouveau. Nous sommes juste de passage. Merci. Oui. Comment on a mis ? Bonsoir Chantal, bonsoir Jérôme, j'espère que tu vas bien. Alors Cécile, elle n'est pas là, je tiens à vous le dire. Et justement, on va faire un petit hommage, un petit clin d'œil. Ouais. Parce qu'hommage, c'est vrai que c'est pour les morts, mais bon. elle est rentrée en clinique. Pas aujourd'hui, c'était. Hier. Donc elle est en clinique et pour des raisons personnelles. Ouais. Donc voilà, donc on a chacun nos problèmes. Donc on espère qu'elle va mieux, qu'elle ira mieux. Oui. Et donc cet épisode qu'on fait ce soir sera pour elle. Voilà. Et sera aussi pour tous ceux et celles qui souffrent et qui sont en clinique et qui ont du mal à s'en sortir. Ouais. Voilà. Donc toutes nos prières, toutes nos pensées. Grande pensée à tous ceux et celles qui ont mal. Toutes les prières, toutes les bonnes pensées, toutes les ondes, voilà. On les envoie, tous les archanges, tous les anges, les divins. Non, c'est. Elle avait besoin de souffler un peu. Voilà. Il n'y a rien de grave. Grâce à vous, grâce à votre onde. Voilà. C'est comme ça qu'avec la force qu'on a et le nom qu'on est, on peut les. Voilà, donc on lui souhaite des très bonnes ondes et puis on lui souhaite de revenir en très plus fort qu'elle a été. Et de toute façon, dites-vous bien que je suis toujours derrière elle pour la soutenir, pour lui poter le cul, lol. Non, enfin pour la soutenir, pour lui dire toujours d'avancer. Et puis, même si le fait d'aller en clinique fut difficile à choisir. Merci, namasté. Mais bon, c'est vraiment, voilà. C'est très difficile pour elle, je pense. C'est, voilà. C'est pas rigolo parce que rentrer en clinique sachant que tu as tous les problèmes du quotidien dans la vie, voilà, donc c'est un choix énorme qu'on a dû faire et on espère vraiment qu'elle s'en sorte et qu'elle aille mieux en sortant. Voilà. Moi j'ai 7 personnes. Merci à tous ceux et celles qui me suivent. 17, peut-être. Bah ouais, c'est pas mal. J'ai 3 personnes, 4. Non mais je partagerai après ton live, t'inquiète pas. Donc bonsoir à tous, donc bienvenue à tous dans l'usine. Ouais. Donc on va positionner le matos. Donc, merci pour les larmes, merci pour elle. Merci à tous ceux et celles qui pensent beaucoup à elle et puis nous on pense beaucoup à elle aussi et puis voilà. Bonne nuit à Domé, bonne nuit. Et je vous avouerai que c'est vrai que quand une personne n'est pas là, ça manque énormément. De quoi ? Tu dis que t'avais de moi, je serais toujours là. Oui, toi. Non, mais ça, c'est pas. C'est... Je parlais pas de toi quand je disais ça. Forêt. D'accord. Forêt. Non, je parlais de Cécile, quoi, qui aurait peut-être voulu venir. Allez, je vais positionner là le détecteur. Non, il faut. Non, il vient de s'allumer, t'es là. Il faut s'allumer, attends. Voilà, hop. Mince. Ah, bah, moi, c'est équipement Lidl. Lol. 5 € le détecteur à LED. Pardon, est-ce que vous pouvez vous éloigner du détecteur de mouvement, s'il vous plaît ? Parce que sinon, il va pouvoir... Bah, merci. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Bah, sinon, il s'éteindra pas. Merci.
Bah voilà, c'est fait. Donc voilà, les deux détecteurs sont éteints. Est-ce que vous pouvez les rallumer, s'il vous plaît, pour nous montrer votre présence, s'il vous plaît, messieurs, dames? Merci. Ou l'un ou l'autre, au choix. Si vous pouvez. Alors vous pouvez les toucher, vous pouvez passer devant. Ça va s'allumer. Et dites-vous bien que c'est inoffensif. Ça ne fait pas de mal. Bonsoir, Armand. Bonsoir à tous qui viennent d'arriver. Ça va mieux. N'hésitez pas à partager, les amis. Vous savez que dans cette usine, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Allez, regardez. Alex, fais fantôme, vas-y. Je suis vous. D'accord ? Voilà, je suis vous. Donc, j'ai envie de communiquer avec. Voilà, vous voyez ? Ça s'allume au bout d'un mètre. Hop ! Au bout d'un mètre, ça y est, ça s'allume. Donc, vous passez au bout d'un mètre. C'est bon. Pareil pour l'autre. Regardez. Je vais me rapprocher. Il va me voir. Là, voilà. Là, il faut que vous vous rapprochiez un peu plus près. Voilà. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière, s'il vous plaît? Ah, attendez. Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière en passant devant ou en la touchant, comme j'ai fait, s'il vous plaît, pour entrer en contact avec nous? Merci. Ah, comme je l'ai dit, vous passez devant, vous la touchez, c'est inoffensif. Nous vous remercions pour ce que vous allez faire. Ouais. On va poser aussi une lampe qui va pouvoir vous aider si vous avez besoin d'énergie. D'accord? Ça, c'est une sorte de cadeau pour vous. Donc, je vais la poser par terre. Hop, je la pose. Voilà. J'ai pris une photo de la chapelle. Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Par exemple, déjà, t'as vu? Ah, je sais pas. C'est moi, peut-être, je sais pas. C'est bizarre parce que je sais pas. C'est un homme, non? Ah, vous pouvez la rallumer, s'il vous plaît? Martial, c'est un homme. S'il vous plaît, vous pouvez la rallumer, la lumière? Pour nous permettre de savoir comme quoi vous êtes là? Donc prenez de l'énergie aussi de la lampe que j'ai posée par terre aussi. Allez-y, si vous avez besoin d'énergie. Pour communiquer avec nous. Bonsoir GG. Ça va mon GG? Ah, la matière, un esprit qui nous suit. Mm-hmm. D'accord, merci, merci, merci. Bonsoir Namaste. À tous, merci. C'est cool, ton ressenti, c'est cool, je me suis. Bon, je vais faire appel à une protection pour moi et Alex. Je fais appel aux anges, aux divins, aux guides, aux archanges de nous protéger pour ce moment, ce moment d'enquête. Les archanges, veuillez écarter toute mauvaise entité près de nous. Veuillez protéger, guérir nos blessures, nos mal-être et nos mauvaises pensées. Les divins, les anges, les guides, montrez-nous le bon chemin pour essayer de rentrer en contact avec eux. Montrez-nous l'amour que vous pouvez nous apporter pendant cette enquête. Montrez-nous la bonne voie pour être en bonne voie et en bonne sécurité avec vous. Je vous remercie, vous embrasse, Guido. Voilà. C'est une protection que je fais à chaque fois, chaque fois que je vois l'enquête. Ça marche à chaque fois, je suis tout protégé. Ah oui, la pierre. Faut que tu la sortes du sachet. Oui, ça fait. Je l'ai même associé avec une autre pierre. C'est ça ? Ouais. Rapido. C'est pour développer mes dons. T'as réussi à quoi de développer ou quoi? Les dons que j'ai. Ah, en parlant de ça, tu sais que j'ai vu deux fois les anges? Tu les as vus? Ah oui. Je te jure, je les ai vus. C'est-à-dire? Je les ai vus, ben, en fait, j'étais avec Céline Bounocor, que j'aime beaucoup. C'est une personne qui m'a fait bien comprendre la lumière, tout ça. Mm-hmm. Je faisais ma prière, tout ça. Il y a eu un bruit là. Une feuille des anges. C'était pas une feuille. C'était assez bruyant.
C'est vous qui avez fait ça? Donc si c'est vous qui avez fait un petit bruit, non, mais c'est, elle est oppressée. Vous pouvez rallumer la lumière, s'il vous plaît? C'est là ou c'est là, comme vous voulez. Au choix. Passez juste devant. S'il vous plaît, merci. Là, caressez là ou prenez-le dans vos mains. Et dites-vous bien que c'est inoffensif. Hein. Ça ne peut pas vous faire de mal. On est là juste pour essayer de comprendre, de communiquer avec vous. Ouais, donc, continuons-en. Je commence à m'en revenir et du coup, je vois un petit carré comme ça. Quoi, comme ça, entre les yeux, quoi, tu vois. Je voyais flou, le carré était blanc, quoi, tu vois. C'est pas carré, c'était un... Ouais. Mm-hmm. C'était flou, mais blanc, c'est blanc clair. On est à l'usine, mon GG. Bonsoir, Patricia. Et j'ai vu un carré blanc. Et je me dis, est-ce que c'est ta magicité? J'ai vu un carré blanc flou. Je me dis, c'est les anges. Pourquoi tu veux plus être là, Noam? Tu seras toujours là, mon grand. Et pareil, le lendemain, pareil, je me rejoue, je fais la prière, pareil. Le lendemain, je vois quoi, une petite forme humaine comme ça, taille tout petit comme ça, pas plus avec des ailes. Et là j'ai vu tourner autour de moi. Alors, il y a Jérôme qui me dit, Dani, est-ce que tu as une pierre d'incantation de protection? Oui, j'ai ma pierre, ouais. D'accord, c'est bon. Ok, c'est bon. Arrête d'essayer de prendre... Il y a deux lives, oui, tout à fait. Donc un live dans chaque groupe. Donc il y a un live pour les CDP, comme je vous ai promis. Et un live sur le live de Dany. Et depuis tout à l'heure, quand Dany était tout seul, très très fortement oppressé. Ça c'est vrai. J'arrête pas d'essayer de prendre ma respiration, mais c'est dur. Dur, dur. Ah, mais dans ce lieu, on est entré en contact avec un homme et une femme. Ah, moi j'ai plus de l'autre jour. Hein? Ah. Depuis tout à l'heure, j'ai deux réseaux depuis tout à l'heure. Bah, moi j'en ai. Vous pouvez lâcher mon téléphone, s'il vous plaît? Oui, prenez pas l'énergie du téléphone, prenez plutôt l'énergie. Là, attendez. Regardez. Pas de bon plus. Vous avez pas en plus? On va dire que c'est toi. C'est moi ça? Je sais pas. Tu sais bien que... Ok, merci. Bon. Ça s'est éteint. De toute façon, je filme encore. Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière, s'il vous plaît? Que vous avez fait? Je relance. Enfin, si c'est vous qui avez fait ça, messieurs, dames, si vous êtes là et si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez faire ce genre de choses? Donc, vous passez devant, vous. Mais ça, tu peux le faire, ils ont la force pour le faire. Oui, bien sûr. Ils ont fait plusieurs fois. Coucou, Émilie. Ouais. Tu sais qui m'a appelé aussi? Non. Fabrice. T'as appelé? C'est vrai? Ah, je te jure. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit ouais. J'ai posé pas mal de questions. J'avais. Franchement, je sais ce que j'ai eu. Voilà, j'étais. Wow. Tout simplement. Donc, franchement, j'ai dit ouais. Franchement, c'est cool. J'adore ces vidéos. Franchement, je te suis depuis 3 ans. Il m'a dit ouais. Après, j'ai demandé s'il pouvait me faire une dédicace. Il l'a faite. Il m'a dit ouais. Il aura mon live. Il me donnera des conseils, tout ça, et j'ai vu lui, j'ai demandé avec lui pour aller en quête avec lui. Il m'a dit pourquoi pas. Oh, c'est cool. Franchement, il est fou. Coucou, Genji. Ça a coupé, je sais pas pourquoi. Ouais, le téléphone à Dany a bugué. On sait pas pourquoi, je me suis approché du pour poser la lampe, et du coup... Et pourtant, on a la même connexion. C'est chez qui? Comme pour Free. Et depuis tout à l'heure, je filme très bien depuis tout à l'heure. Je suis SFR, donc bon, bizarre. Comme ça fait cadeau parce que c'est comme ça je commence à sentir de la frais vraiment. Attendez, je vous mets dans la poche. Et j'ai mon cadeau maintenant. Non, c'est Dany. C'est Dany Doll. Pour ceux et celles qui le connaissent pas, c'est un de mes collègues qui a été pendant la saison 1 et qui m'a fait le plaisir de me faire une surprise en disant Alex, viens à l'usine, j'ai envie de la faire. Et puis, donc je suis venu. Voilà. On y est dedans. Ça y est.
Eh oui, l'hôtel à Dany a coupé, ouais. Mais il va se remettre là. C'est bon, il Ah, il y a 19. 19. Ah, j'ai un 20. Dix-neuf, dix-huit, Ah, dans le coin. là, Ouais. vingt, Tu passes de 2 degrés à... Non, manger. Ah, là, là. ouais, excusez-moi, ça a Il coupé, je y sais a pas. encore un bruit. Mais bon. C'est vrai que les feuilles tombent en automne. Lol. Il y a encore un petit bruit. J'ai un 20 là. 18. Ça fait un cadeau. Re Marion, excusez-moi, ça a coupé. Alors, y a-t-il une entité près de nous, s'il vous plaît? Putain, je suis encore en l'air. Ouais. Si oui, touchez le petit boîtier là, touchez-le. Vous voyez avec la petite lumière là? Ah, non, mais ça, c'est le téléphone. Là, faut qu'il soit touché. Là, il est prêt. Là, à cette distance-là, il prend pas le téléphone. Là, oui. Mais là, non. Il y a une certaine distance. Lequel? Là, Tu vois? t'es prêt? Le Regarde. téléphone, oui. Là, regarde là. Milieu. Il bouge pas, hein. Si tu veux le placer vers la lampe, ce sera peut-être mieux. Comme ça, on va zoomer. Ah, tu vois, ça s'allume. Donc c'est bien. C'était bien toi tout à l'heure. Elle C'est est comme une blanche. assez sensible, quoi, tu vois. Même au bout de. Touchez le petit K2. Touchez le petit boîtier gris. Allez-y. C'est là. Bonsoir Céline. C'est une grille. Bah Céline, hein. Notre Céline, DCDP. Lol. Lequel, Fabrice? Non, Céline Combe, t'inquiète. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si je vais arriver. Je vais vous faire ce que j'ai mis tout seul. Non. Je vais vous faire ce que j'ai mis tout seul. Veuillez lâcher mon téléphone s'il vous plaît. Ce serait gentil de vous. Regarde, regarde, le bug. T'as encore coupé? Mais la lampe, elle n'est même pas allumée. Regarde, le truc de lampe, il n'est pas allumé. Regarde bien à droite. T'as vu? Et la lampe est allumée. Vas-y, t'as dessus. Oh merde. Là, je l'ai coupé. Mais avant, j'ai rien fait. Ok. Alors. Crois qu'il ne veut pas être filmé, je crois. Y a-t-il un homme près de nous ici actuellement? Si oui, touchez le petit boîtier ou passez devant les deux machins gris là. Devant ça et ça. Allez-y. Peut-être la lumière. Faut pas que tu les allumes. C'est peut-être ça qu'ils aiment pas, qu'ils les aiment peut-être pas. C'est peut-être ça pour ça qu'il t'a allumé ton téléphone pour te montrer la lumière, que ta lampe que ta lampe les dérangeait un peu pour s'approcher. On va essayer de l'éteindre. Essaye de l'éteindre. On va essayer de les rassurer. Ok. Donc voilà, ça y est, on a éteint les lumières. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher vers les détecteurs de mouvement qu'on a posés par terre? Vous nous montrez votre présence, s'il vous plaît. Désolé, les amis, j'ai oublié de couper. Hein. Plus là-bas. Il y a un bruit encore. Un chien. Je vois pas les commentaires, moi, c'est quoi cette merde là? Ah, c'est la demande. Bonsoir Dany, bonsoir le Québec.
Putain, il y a encore un bruit. Ouais. Ouais, ils aiment bien le téléphone à Dani. C'est quoi comme ça, Samsung quoi? Moi, il y a la coque, c'est peut-être pour ça qu'il est protégé. Mais bon. Bah, je sais pas. Il y a quelque chose qui. Il y a eu encore un peu suspect. Il y a eu un jet de pierre, ouais. J'ai eu l'impression aussi. Hein? On n'est pas là pour vous faire de mal, on est là en ami. Hein. Donc merci de ne pas nous faire de mal. Merci. Une orve. Ah, normalement t'avais une orve à droite. À ma droite, t'es à côté d'Alex. Ah. Ah oui, non, mais à toi, par exemple. Salut, Québec. Est-ce que notre présence vous dérange? Si oui, approchez-vous des deux petits détecteurs gris à terre. J'ai l'impression que ça joue avec nous. Hein. Ouais, il faut toujours avoir le casque. Hein? C'est mieux pour entendre les bruits. Bon, je me suis acheté un nouveau. Casque au Bluetooth. Bleu. Bon, je vais essayer la spirit, mais je suis pas sûr d'y arriver parce que l'autre fois il y avait de la friture. Hein. Ouais, je m'en rappelle. Bon, j'étais donc à deux. Hein. Ouais. Ah, tu vois. Ah, si. Il s'est allumé plus tard. Ouais. Le détecteur, il est parti. Enfin, il s'est allumé quand t'es parti. Il est à côté d'Alex. Tu prends le, tu veux prendre la spirit pour lui parler? Ouais, vas-y. Vous allez vous rapprocher près du petit boîtier pour communiquer avec mon collègue. Il va vous poser des questions, il va falloir que vous y répondez s'il vous plaît. Merci. C'est un peu bizarre la spirit. Hein. C'est un peu bizarre. Non, c'est parce que je l'ai pas lancé. À partir de maintenant, c'est à vous. Bonsoir. Je parle de fin de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Bonsoir. C'est bien ça, hein. C'est une femme, hein. Ouais. Il me semble. Y a-t-il une femme près de nous actuellement? Ah, si, j'ai nous pour la spirit. Bonsoir. Ah, oui. Une femme. Quel est votre prénom, madame? Moi, c'est Dani. Je pense. Moi, c'est Alexandre. Oui. Ah, vas-y, quoi. Ah. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ce que vous avez dit? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Fuir. Ah, vas-y. On n'est pas là pour vous faire de mal, on est là en ami. On aimerait savoir si vous avez besoin de quelque chose. D'aide, par exemple. Pardon. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Paul. Ah, non, c'est du Paul. Est-ce qu'il y a un Paul près de nous actuellement? N'hésitez pas de vous manifester. Oh putain! Tout du corps protecteur. Allez, ouais, les amis. Tu nous as invoqués, hein.
Vous voyez, j'ai trois autres protecteurs. Là, ça me dépasse les dents, c'est pas le dos, mais je fracasse. Et c'est pas de la poussière ou on n'est pas passé par là? Bonsoir. Merci beaucoup de vous manifester. Je vais prendre une petite photo. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous, s'il vous plaît? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Merci. J'ai invoqué les gens de besoin de protecteurs. C'est bien ça, pour nous. Il y a peut-être plus de pubs, mais enfin, je me souviens, je vais faire toute la journée avec. Bonsoir. Re-Jimmy. C'est chaud aujourd'hui, c'est ça, là, c'est vraiment bizarre. Pas une belle. Toujours au même endroit, oui. Merci les gens, merci les gens, d'être près de nous. Pourquoi elle a dit? Pourquoi? Ouais, c'est ce qu'elle a dit à Mathieu. C'est sur quelle question qu'elle a dit pourquoi? J'avais eu une question avant. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? Ah oui. Non, c'était souhaitez-vous communiquer avec nous? Alors pourquoi? Parce que. Putain, j'ai des frissons, c'est. Oh, ça reste. Hein? Ils sont derrière moi. Parce qu'en fait, on aimerait savoir qui vous êtes et savoir un peu ce qui vous est arrivé. Parce que dites-vous bien que nous sommes au jour d'aujourd'hui en 2017. Et donc, vous êtes de l'autre côté. Vous êtes dans une autre dimension. On sait. Namasté, qu'est-ce que ça dit, Namasté, s'il te plaît? On sait. Ah, vous savez? Ok. C'est parfait. Merci madame de nous répondre. C'est vraiment gentil de votre part. C'est vous qui me... Ouais, j'ai des frissons, merci. Le patron me touchait, merci. Alors, est-ce que vous avez... Ouh, merci. Est-ce que vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose, s'il vous plaît? À qui vous voulez parler? Carré? J'ai pas entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? On a peu pu comprendre, s'il vous plaît. Je vais vous reposer la question. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Répondez par oui ou par non. Merci. C'est plus rien. Bon, je n'ai pas pu entendre. On peut voir. Encore, elle a dit. De quoi? Encore, elle a dit. Encore? Ouais. Vous êtes. Ah. Est-ce que vous êtes encore c'est mon collègue? Je suis encore sur toi. C'est toi aussi. J'aimerais savoir quelque chose. En quelle année êtes-vous mort? Est-ce que vous vous en rappelez? Là, c'est magnifique. Là, elle est magnifique. Oh merde. Regardez-moi, les amis. Regardez-moi ça. Ouais, bah la spirit. Regardez-moi ça, les amis. Ça, c'est pas de l'or. Il n'y a plus de spirit. Non. Ils ont pris les piles. Regardez-moi ça. Je l'allume et. Voilà. Ah. Oh. Ils ont lâché. Comme le téléphone. Vous avez vu, les amis, regardez. Oh, c'est trop Alors, est-ce que vous pouvez répéter votre dernière réponse? En quelle année êtes-vous mort, s'il vous plaît? De toute façon, oh putain. Rebug. Rebug. Et ça repart. Ok. Je vais. Bon. Elle est superbe. Merci.
Ça remarche encore? Ok, merci, je vais pas insister sur cette question. De toute façon, les photos que je vais vous mettre, je vais les poster sur le live, sur mon groupe et sur Alex, je vais Alex. Je vais pas insister sur cette. On fera un partage, vous inquiétez pas les photos. Oui. Manifestation et la spirit boss repart. Comme si ils empêchaient qu'on communique. Est-ce que c'est vous qui avez arrêté la Spirit Box? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non? Merci. C'est encore en l'air là. Merci. Deux hommes et une femme. Ok. T'as des questions? Là, tu nous présentes, ça vous dérange. Ils arrêtent la spirit, ils arrêtent le téléphone de Nani, ils arrêtent la spirit. Ils sont forts. T'as pas le même moteur? Alex. Oui. Je vous écoute. C'est quoi la dernière question? Non, n'essayez pas de couper la spirit. Essayez de communiquer dedans. Est-ce que notre présence vous dérange? Répondez par oui ou par non. Merci. Oui. Ça a dit oui. Ça a dit oui. Ça a dit oui? Ok. Bah, si c'est bien, on va partir. Ouais, on va pas vous déranger plus. On va vous laisser tranquille. D'accord? Ouais, c'est bon. On va respecter votre parole. On est des gens bien, donc on va vous respecter. Et donc on va s'en aller, on va vous laisser. D'accord? On va lui passer une bonne nuit. Ah. Et la spirit, ouais. Renaze. Voilà. Et il bouffe sur les piles. Et... Ok, j'arrête. Allez, c'est bon. Allez. C'est bon. Allez, je la coupe. Hop. C'est bon, j'ai pas besoin de. Allez. Non, je suis pas vexé. Non, t'as pas le bel métal là? Non, j'ai pas. Ah, tu sais que c'est comme le cadeau de Melmeter, c'est trop sensible quand tu as les téléphones. Tu peux pas te. Donc on va ranger notre matos tranquillement et puis on va se rentrer. D'accord? Et puis on va vous souhaiter une bonne nuit et puis restez sur votre lieu. Étant donné que vous ne souhaitez pas de notre aide. Dommage. Voilà. Hop! Fin de l'enquête. Dommage. Ouais. Alors, détecteur rangé. Ah bah. On était venu déjà la dernière fois, ils souhaitaient pas trop communiquer. Mais là, pas du tout. Mais là, c'est de pire en pire. C'est vraiment non de Chine. Et jusqu'à. Ça marche pas par pile, ça y est électrique. Ah bah, c'est lui qui la bouffe, étant donné qu'on leur laisse. Oui, j'ai rien dit du tout, hein. Ah, attends, il y a des choses encore qui s'allument, ça c'est pas normal. Ouais, allez, nous, on va... Ouais, les amis. Attends. Vas-y, on va prendre ton bateau tranquille. On va se rentrer, tout doucement. Ouais. Puis on va vous laisser un peu vous reposer, parce que vu l'heure aussi... Ouais. Parce que demain c'est samedi. Voilà. Merci d'être sur l'enquête. Voilà, donc nous on est des gens assez respectueux. Quand on a des entités qui nous disent de partir, on n'a pas besoin de les forcer. Ouais, on n'a pas besoin de les insulter et puis de les forcer à parler parce que c'est pas le but. Ouais. Mais là, pour y comprendre. Voilà. Donc, bonne bon nuit, soir. Merci. Bonne soirée à vous, au revoir. Et merci de ne pas nous suivre. Oui. Voilà.
Bah ouais, ils sont bien entre eux, ouais. Ils veillent sur l'usine. C'est beau, bon, franchement. Ils comptent qu'ils vont pas amuser. Bah, ils veulent le détruire, hein. Ils veulent le détruire. Mais la femme, je me souviens que quand on avait parlé avec elle, elle avait bien. Elle était d'accord, quoi. Bah merci, oui. Moi j'ai vu deux enquêtes, il y a ma troisième enquête que je fais. J'en ai fait deux aujourd'hui. J'en fais encore une vendredi prochain. Alors je sais pas où, mais si je vais en rouge, je ne sais pas. Le vendredi prochain, je fais à Notre-Dame-la-Garde, enquête. Et oui. C'est à Notre-Dame-la-Garde. Alors tu viens avec moi, tu viens. Hein. Oh, Notre-Dame, non. Pourquoi tu veux pas venir ? Bah en pleine ville, tu sais, j'aime pas trop. Ouais, j'aime bien les lieux où il n'y a pas trop d'habitation. Et justement, les amis, je vous ai trouvé un lieu aussi, un nouveau lieu, que j'ai pas prévu pour la saison 2, mais qui a peut-être... Je sais pas, ça sera peut-être un cadeau. C'est une clinique, une ancienne clinique que j'ai trouvée dans la nature. Et donc, je vais peut-être vous l'offrir, je sais pas, peut-être pour Noël. Vous allez voilà. J'ai le temps de la retrouver parce qu'elle est vraiment dans la pampa. Et il faut qu'on fasse aussi le monastère aussi. Le monastère, oui, il faut le faire parce qu'en plus, je suis passé devant. L'asile, c'est chaud. Franchement, c'est avec les habitations qui sont à côté. Je pensais pas que c'était vraiment en pleine ville. Hein. On peut le faire. On se fait à deux. Et oui, bonne nuit à tous. Dormez bien, faites de beaux rêves. Merci. Et puis plein de bonnes choses. Hein. Que la nuit se... Que les anges, les divins. Ouais, tout à fait, Christelle, t'as raison. Y a Christelle qui nous dit comme quoi la femme souhaitait communiquer, mais que les deux hommes ne souhaitaient pas. Ils étaient un peu jaloux, ouais. Je sais pas. On parlait un peu avec tout le monde, on s'en fout. Mais bon, est-ce que c'est. Ouais. Mais déjà à la base, la femme, enfin, vous pouvez revoir ce qu'on avait fait déjà quand on était venu deux jours, et ce qu'on avait eu comme réponse, ce fut assez aussi intéressant que ce soir. Hein. Mais là, niveau refus, c'est encore pire. Là c'est spirit, je coupe tout et je te prends même ton énergie des piles pour que tu arrêtes. Lol. Alors le groupe de Dany, c'est... vas-y, Dany. De l'ombre de la lumière. Voilà, de l'ombre de la lumière. Enquêteur paranormal. De l'ombre à la lumière, l'enquêteur. L'enquêteur. Enquêteur. Non, de l'ombre à la lumière, vous trouvez tout de suite. Vous allez voir, j'ai 90 abonnés. Ouais, t'approches les 100. Hein. Moi, j'ai dit à 100, je fais venir l'un de vous. On enquête avec moi. Dans un abattoir. Oh là 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 là. Ah oui, celui de Aix qu'on avait trouvé. Ouais. J'ai jamais fait bosser dedans. Non. Si, mais lui, par contre, lui. Hein. Mais Dieu, pourquoi pas, ça peut se faire. Ça, c'est un bunker. Donc, on la verra. Non, c'est ce que je dis, le bunker. On le fera ensemble, ça. Je t'amènerai. On l'amènera. Le bourrel, donc... Voilà. Et donc, oui, le bunker qu'on avait fait avec le groupe Esprit va sortir peut-être ce week-end, si j'ai assez le temps. Merci d'être venu, ça m'a fait. Et donc voilà, toutes les nouvelles. Donc, la nuit, voilà. La nuit, vous pour on vous souhaite à tous une bonne nuit. Ouais. Faites de beaux rêves. Que la lumière soit avec vous, la chaleur des divins vous protège, l'amour des anges soit inconditionnel. Que l'archange Michel vous protège des divinités. Que Saint Raphaël, l'archange, vous guérisse de toute mauvaise personne et vous guérisse de vos blessures. Ces prières vont aussi à Cécile. Ouais. Grande pensée. Même si on a eu quand même quelque chose, on peut pas dire qu'on est encore entre bredouilles. Mais sinon, c'est surtout dommage pour eux, quoi. Ouais. Qu'ils n'ont pas voulu. Mais je sens que ce lieu, il peut pas le quitter et qu'ils ne jamais ce lieu. Tout à fait. Protégeons-nous parce que la vie est dure et. Et on ne sait, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, merci la famille. Et on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Demain. Ok. Et t'as un bisou, je vous aime. Bah voilà.
Et je dirai même plus, je vous aime aussi. Et puis, non. Merci encore à tous, pour tous ceux et celles qui ont vu le live. Et puis merci à tous ceux et celles qui vont regarder le replay. Partagez surtout, n'hésitez pas. Merci de vos partages. Merci d'être là. Et puis ne changez rien. Restez, voilà, restez comme vous-même et puis profitez de la vie. Voilà. Vous êtes jeune et beau et fort. Voilà, vous avez des envies, faites-les. Voilà. Voilà. On va dire c'est une bête. Ouais. Donc voilà, vivez la vie. Comme aimer vous la sentez. La vie court. Profitez. Voilà. Moi je profite. J'étais très content de venir pour refaire cette enquête avec Dany. Ouais. Et dans ce lieu rempli encore de mystères. Oh oui. Et on n'a pas fini d'aller courir alors. Voilà. Oui, Christelle, dis-moi tout. Attends, il y a Christelle qui veut me dire quelque chose. T'as éclairé ta peau, c'est de ouf. Non, pas là, le ciel, tu vas faire tomber un avion. Ah. Si. Ouais, tout à fait. Soyons acteurs de nos vies. C'est ça. Sachez que la vie est courte et que les seuls qui peuvent nous guider, c'est les archanges, les guides, pour nous montrer la bonne voie. C'est ça le plus important. Oh, ouais, je te donnerai le. Je sais pas si tu as le... Ah, c'est moi, d'accord, c'est moi. Ne me fais pas peur, on dirait que... oui, je te donnerai leur Facebook, je sais pas si tu l'as. À qui? Au groupe Esprit, parce qu'ils ont un Facebook aussi, à eux seuls. Merci, namasté. Merci à toi, même si t'as été de l'autre côté. C'est pas grave, c'est la même chose, c'est la même maison. Merci à toi. Oui, c'est pareil. Gros bisous à toi. Et puis bonne nuit à toi, à Nantes, je crois que tu es. Ouais, elle est Nantes. Hein? Chère petite nantaise que tu es. On revient. Allez, on sort. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, bisous à vous.